À l'été 2016, j'ai vécu de profonds bouleversements intérieurs qui m'ont mené, tranquillement mais sûrement, à m'éveiller à ma nature spirituelle. Les émotions qui m'habitaient à ce moment étaient si exaltantes que je n'ai pas pu résister à la tentation de partager mon expérience sur mon blog. Voici un aperçu de l'article que j'ai intitulé « L'appel ». Je ressens un sentiment d'exaltation, de joie et de liberté que je n'ai jamais ressenti auparavant. Chaque fibre de mon être vibre à une intensité qui est nouvelle pour moi. Mon cœur bat vite et me murmure « Bienvenue chez toi ». J'ai passé ma vie entière à ressentir cet appel en mon fort intérieur, un appel à me rappeler qui je suis réellement et pourquoi je suis ici, sur Terre. Mais comme je suis née à une époque où l'on accorde plus d'importance au paraître qu'à l'être, j'ai tenté de refouler autant que possible ma véritable identité et j'ai volontairement fait taire cette voix qui m'appelait vers elle. J'ai tout fait pour me conformer, pour rentrer dans le moule, pour répondre aux exigences de la société. Or, plus j'avançais sur mon chemin de vie, plus je ressentais un immense vide au fond de ma poitrine. Rien n'arrivait à combler ce trou béant et je me sentais seule, différente et apeurée. Jour et nuit, des dizaines de questions me taraudaient l'esprit. Pourquoi suis-je incapable de vivre une vie normale comme tout le monde? Pourquoi ma vie ne fait-elle pas de sens à mes yeux? Pourquoi ai-je l'impression que personne ne me comprend? Des nuits d'insomnie et des moments de profonde dépression, j'en ai vécu. Mais désormais, cela prend tout son sens et je comprends que je franchissais les étapes vers l'acceptation. L'acceptation de qui je suis et de mon rôle sur Terre. Tout cela est si limpide à présent. Je me suis éveillée à ma véritable nature. Le chemin fut éprouvant et parsemé d'embûches, mais jamais je ne retournerai en arrière. Lorsque nous vivons l'éveil spirituel, nous transitons naturellement du mental au cœur. Cela devient une évidence pour nous et c'est à ce moment que l'amour reprend sa place dans nos vies. Ce n'est d'ailleurs pas la seule transformation que nous connaissons et dans mon livre « L'appel de l'âme », je prends le temps d'expliquer les changements qui sont apparus dans ma vie lors de ce premier pas sur le chemin de la reconnexion et de la fusion. Je vous en cite quelques-uns.
Lorsque nous choisissons finalement de suivre nos intuitions et notre cœur, des portes s'ouvrent en nous et certaines vérités commencent à émerger. L'éveil nous amène à conscientiser que nous sommes un être spirituel avant tout, venu sur Terre pour vivre des expériences dans le plan physique. Nous avons un aperçu de notre essence véritable, qui est beaucoup plus grandiose que tout ce que nous avions imaginé jusqu'ici. À partir de cette prise de conscience, la connexion avec notre âme devient une priorité, et tout le reste est secondaire. Au cours de l'éveil spirituel, nous réalisons qu'il y a un univers derrière le monde physique. Un univers qui n'est pas visible à l'œil, mais qu'on peut ressentir lorsqu'on se connecte plus intimement à nous. Dans ce plan invisible existent des présences, dont nos guides spirituels qui nous accompagnent lors de notre parcours d'évolution. Une vérité qui nous apparaît à ce moment-ci de notre parcours de reconnexion et de fusion est que les pensées sont créatrices. Ainsi, la manière dont nous utilisons la puissance contenue dans notre esprit impacte non seulement notre réalité, mais également la vie des autres. Nous prenons grand soin d'alimenter des pensées qui nourrissent notre cœur et notre âme, et nous prenons plaisir à les voir prendre forme dans notre quotidien. Avant de connaître l'éveil, nous passons notre vie dans un état de séparation, et cela donne naissance à un profond sentiment de solitude. Mais lorsque nous nous connectons à notre cœur, nous réalisons que nous sommes tous unis. Nous ressentons le lien qui nous relie aux plantes, aux animaux et à nos semblables, et nous nous sentons en harmonie avec notre environnement. Ces quatre vérités que je viens d'énumérer ne sont qu'un aperçu des messages que nous communique notre âme, mais pour le moment, je désirais simplement faire un survol des transformations qui ont lieu lors de l'éveil spirituel. Si vous vous êtes procuré ce livre, je me doute que vous l'avez déjà vécu et vous connaissez tous les bienfaits qui découlent de ce premier contact avec notre âme. Mais comme je l'ai mentionné dans l'introduction de l'ouvrage, je suis d'une naïveté déconcertante et j'ai cru qu'une fois la connexion établie, je ne descendrais plus jamais de mon nuage. Bon sang, je peux vous affirmer que c'était une belle illusion et nous allons voir pourquoi ces moments de joie et de sérénité ne durent malheureusement pas. Le moment où notre âme se manifeste à nous pour la première fois est un instant de grâce que l'on n'oublie jamais. L'amour que l'on ressent lorsque le lien se rétablit est incommensurable. On a l'impression de quitter la lourdeur de ce monde et de baigner dans un océan de douceur et de tendresse. Malheureusement, cet instant magique ne dure pas éternellement. Après cette ascension vers la sphère supérieure, la réalité tridimensionnelle nous rattrape et c'est à ce moment qu'arrive l'étape que j'appelle la grande désillusion. Dans le chapitre précédent, nous avons vu que lors de l'éveil spirituel, nous prenons conscience d'être beaucoup plus qu'un simple corps physique. Nous avons également une âme, et si nous tentons d'y donner une définition, nous pourrions dire qu'elle est le souffle vital en nous. De plus, l'âme emmagasine tout le chemin que nous avons parcouru au cours de nos différentes incarnations. C'est d'ailleurs elle qui est responsable de notre passage ici-bas et elle a choisi de venir dans le plan physique afin de vivre des expériences dans la densité. Dans les milieux spirituels, on affirme également que notre âme est venue sur Terre afin d'accomplir une mission. Selon cette vision, elle a un mandat à remplir et elle a tout le potentiel pour le mener à terme. Dans ce cas, pourquoi arrive-t-il un moment au cours de notre parcours où nous nous sentons frustrés, déçus et désillusionnés? Si nous avons tout en nous pour réaliser notre mission, pourquoi notre réalité ne nous reflète-t-elle pas entièrement? Pour ma part, après avoir vécu toutes ces belles transformations intérieures, j'ai dû me rendre à l'évidence. La souffrance ressentie lors de mes premières années de vie était de retour. À cela s'ajoutait le fait que je n'avais pas la réussite escomptée. Bien que j'aie le sentiment de marcher sur mon chemin de vie, je manquais d'argent, ma santé était précaire et ma carrière d'auteur ne décollait pas. Cette prise de conscience a été extrêmement douloureuse et si vous vous êtes procuré ce livre, j'imagine que vous savez de quoi je parle. Tout à l'heure, je vous ai mentionné que d'après la vision qui est dépeinte dans les milieux spirituels, notre âme est venue accomplir une mission et nous avons tout en nous pour la réaliser. Alors comment se fait-il qu'en cours de route, nous vivions une profonde désillusion?
Que ce soit par rapport à l'argent, à la santé, à la carrière ou aux relations amoureuses, nous ressentons tous un jour ou l'autre ce sentiment de frustration qui nous amène à remettre en doute le bien fondé de notre démarche. Nous avons tous ressenti le désir de nous rendormir et d'oublier toutes ces belles découvertes que nous avons faites sur le chemin de la connaissance de soi. Après tout, elles ne font que nous mener dans une impasse, n'est-ce pas? Eh bien non. Aussi difficile soit-il, notre parcours d'éveil vaut la peine d'être vécu. Et plus nous avançons sur le chemin, plus nous comprenons pourquoi tous ces obstacles se dressent devant nous. En revanche, la raison est pour le moins surprenante et elle est liée au fait que l'être humain n'est pas libre. Que nous en soyons conscients ou pas, nous sommes manipulés à travers nos pensées, nos émotions et nos croyances, et c'est loin d'être la seule manipulation que nous subissons. Avant d'aborder ce sujet, vous devez connaître la différence fondamentale entre l'incarnation et la réincarnation. Dans le premier cas, l'individu vient sur Terre pour des raisons spécifiques. Son âme choisit de s'incarner afin de remplir un mandat, alors que la plupart des êtres humains viennent explorer la densité pour vivre des expériences et enrichir leur bagage. À la fin de leur vie, l'âme de ces personnes quitte leur corps et rejoint le plan astral. Mais le problème, c'est que dans cette dimension, il y a des entités qui ont intérêt à ce que l'homme retourne dans le plan physique. Ces entités font partie des forces astrales et elles nous incitent à revenir ici-bas afin de nourrir la matrice artificielle. De vie en vie, nous nous réincarnons sur Terre sans avoir conscience que nous sommes pris dans une boucle spatio-temporelle. Ainsi, il nous est impossible d'accéder au plan supérieur. En d'autres termes, nous sommes piégés dans la roue du karma, et dans les milieux spirituels, on nous enseigne que nous devons épurer notre karma si nous désirons ascensionner en cinquième dimension. Nous devons nous libérer de nos dettes et fardeaux, mais le hic, c'est que même si nous entreprenons ce travail de nettoyage, notre âme rejoindra le plan astral à notre décès. En effet, la seule manière de ne pas retourner en astral est de construire un de nos corps subtils, appelé le double éthérique, également appelé corps lumineux. Nous aborderons la création du double un peu plus tard. Une fois que notre double éthérique est construit, nous pouvons aller rejoindre le plan mental supérieur à notre décès, au lieu de nous diriger vers le plan astral en empruntant le tunnel de lumière. Nous approfondirons également ce sujet un peu plus tard, mais pour le moment, voyons quelles sont les techniques de manipulation que les forces astrales utilisent pour que nous n'ayons pas conscience d'être maintenus dans la roue du karma. Lors de votre écoute, gardez en tête qu'il existe des millions et des millions de galaxies dans notre univers. Dans les milieux spirituels, on nous enseigne que nous sommes venus sur Terre apprendre certaines leçons à travers nos expériences de vie. Je ne dis pas que cela est faux, mais il est facile pour les forces astrales de se servir de cette croyance pour nous manipuler. Elles n'ont qu'à nous faire croire que nous n'avons pas encore terminé notre formation. Et le pire, c'est que lorsque nous revenons expérimenter une vie humaine afin de poursuivre notre apprentissage, nous n'avons aucun souvenir de notre identité véritable. Pourquoi? Parce que les forces astrales effacent nos mémoires avant que nous retournions dans le plan physique. Trouvez-vous cela normal de revenir de vie en vie sans savoir qui nous sommes pour nous aider à avancer? C'est un peu comme si on nous plaçait dans un labyrinthe avec les yeux bandés, et selon moi, c'est l'un des plus grands pièges employés par les forces astrales. D'un côté, elles nous font croire que nous devons nous parfaire, mais de l'autre, elles effacent nos mémoires et nous n'avons plus aucun souvenir de qui nous sommes, d'où nous venons et du but réel de notre incarnation. Soyons francs, il est plutôt difficile d'avancer dans ces conditions, sans compter que la connexion avec notre identité supérieure ne tient qu'à un fil. Voyez-vous l'ampleur de la manipulation que nous subissons? Nous croyons être libres, alors qu'en réalité, nous sommes piégés dans la roue du karma. Nous sommes tels des oiseaux en cage, et si nous continuons de croire que notre âme est le guide ultime, il n'y a aucune chance pour nous de nous libérer de la matrice artificielle. Pourquoi? Parce que je vous rappelle que l'âme est la force qui nous incite à venir vivre des expériences dans le plan physique.
mais ce dont elles ne suspectent pas, c'est qu'elle est assujettie aux forces astrales et elles usent de mille et un stratagèmes pour nous voiler la vérité. Voilà pourquoi l'être humain n'est pas libre, et pour qu'il le devienne, il doit se reconnecter à son esprit. Lui seul détient les clés non seulement de notre prison intérieure, mais également de cette conception matricielle. Par expérience, je sais que ces informations ne sont pas faciles à assimiler, et notre ego a tendance à entrer en résistance. Il ne peut concevoir que nous nous sommes fait piéger ainsi. Il va même jusqu'à nous faire croire que si tout cela était vrai, les populations en auraient été informées. Eh bien non, car nos dirigeants ne veulent pas plus que les forces astrales que nous retrouvions notre liberté. Ils préfèrent que nous restions dociles et soumis, car un peuple soumis est facile à manipuler. Lors de l'écriture de ma saga Eden, j'ai vécu un effondrement quasi total de mon système de croyances, ainsi qu'une profonde remise en question. Cela a été très douloureux à vivre, car j'avais l'impression que tous les piliers sur lesquels ma vie reposait s'écroulaient les uns à la suite des autres. Je me suis retrouvée dans un état de grande détresse émotionnelle, mais aujourd'hui, je comprends que c'était un passage obligé. La réponse est simple. On ne peut remplir un verre qui est déjà plein. Si nous désirons obtenir des réponses à nos questions, si nous voulons comprendre pourquoi nous vivons cette période de désillusion, nous devons nous abreuver à notre propre source de savoir, et pour cela, nous devons faire de l'espace en nous. Si notre intériorité est parasitée de croyances erronées, limitantes et involutives, nous ne pouvons entrer en contact avec notre identité supérieure. Voilà pourquoi cet effondrement a lieu. Aussi douloureux soit-il, il nous permet de libérer le passage en quelque sorte et de nous rapprocher davantage de notre propre source. C'est d'elle qu'émergent les réponses à nos questions, et plus le lien se renforce, plus la vérité nous apparaît. Comme nous venons de le voir, cette vérité peut être bouleversante pour notre ego, mais c'est en prenant conscience du piège que nous pouvons cheminer sur la voie de la libération. C'est d'ailleurs pour vous accompagner en ce sens que j'ai écrit ce livre. En ces temps bien particuliers, il n'y a rien de plus important à mes yeux que de retrouver la liberté qui nous a été enlevée. Il n'y a qu'un moyen d'y parvenir, et c'est de se reconnecter à notre identité supérieure. Comme ce schéma nous le démontre, nous sommes des êtres multidimensionnels et plusieurs appellations peuvent être employées pour désigner un même aspect de notre identité. Pour cette raison, je trouve important de poser des bases afin de bien nous comprendre. Le chemin qui nous mène à notre source n'est pas un processus qui s'intellectualise. C'est un processus alchimique qui se vit dans la plus grande intimité. Alors je vous rassure tout de suite, vous n'avez rien à faire pour vous en rapprocher. Si je prends le temps de l'écrire, c'est parce que je sais qu'il y a plusieurs parts de vous qui sont actuellement en train de lire mes mots. Il y a votre ego, votre mental, votre âme et votre esprit. Et je ne vous apprends rien de nouveau en vous disant que votre ego et votre mental ont le réflexe de vouloir faire quelque chose. Si je désire me connecter davantage à ma propre source de savoir et d'intelligence, il faut et je dois faire. Aux yeux de notre ego et de notre mental, cette phrase est souvent complétée par La liste est longue, mais l'important, c'est de conscientiser que vous êtes déjà connecté à vous,
sinon vous ne vous seriez jamais procuré cet ouvrage. Vous n'avez donc rien à faire, vous avez juste à laisser le processus agir. Puisque l'esprit est le grand chef d'orchestre de nos vies, il organise les scénarios idéaux, ceux que nous avons besoin de vivre afin de nous rapprocher progressivement de lui. Comme je l'ai mentionné, j'ai vécu mes premières grandes ouvertures de conscience à l'été 2016 et c'est à ce moment que le contact avec mon âme s'est rétabli. Mais j'avais beau dialoguer avec elle à travers l'écriture, la plupart de mes questions restaient sans réponse. Certes, je savais désormais que tout avait sa raison d'être et que les événements qui se présentaient à moi n'étaient pas le fruit du hasard, mais je n'en comprenais toujours pas le sens. Pourquoi est-ce que j'éprouve encore certains blocages dans ma vie? Pourquoi est-ce qu'il m'arrive encore d'avoir des douleurs physiques? Pourquoi certaines de mes relations sont-elles encore conflictuelles? Sans compter que mes questions existentielles demeuraient un mystère. Est-ce que je me suis incarnée de mon plein gré sur Terre? Si oui, qu'est-ce que je suis venue faire ici-bas? Quelles sont mes origines galactiques? Etc, etc. Comme je ne recevais aucun éclairage, la colère devenait de plus en plus vive et je me sentais telle une bombe à retardement sur le point d'exploser. Jusqu'au jour où j'ai entendu parler du rapport de force par Sandra Vimont, auteure et conférencière dans le domaine du supramental. Le rapport de force constitue à entamer le dialogue avec notre esprit et à exiger qu'il nous envoie les réponses appropriées. Dans un autre chapitre, je vous ai mentionné qu'il était important de diriger notre colère non pas vers les autres, mais vers les forces astrales. En effet, dès que nous prenons conscience d'être manipulés, nous pouvons nous servir de la puissance de la colère et la projeter de façon vibratoire vers les entités de l'ombre. Cela met instantanément fin à toute forme de manipulation pernicieuse, et c'est ainsi que nous redevenons maîtres de notre sphère mentale et émotionnelle. Par exemple, si vous constatez qu'une pensée parasitée vient de pénétrer votre esprit, vous pouvez la renvoyer à son expéditeur par la simple force de votre intention. Cette pensée ne m'appartient pas, alors j'ordonne qu'elle retourne là d'où elle vient. C'est cela le rapport de force. Le fait de contester une situation qui est inacceptable et utiliser l'énergie contenue dans la colère pour faire valoir notre position. Et ce qui m'a étonnée, c'est de découvrir que le même procédé pouvait être utilisé envers notre esprit. Comme je suis de nature douce et conciliante, je n'ai pas tendance à me rebeller, alors il me paraissait étrange de me dresser contre lui. Comment vais-je faire pour m'opposer à ma propre source d'intelligence? N'est-elle pas censée me guider et savoir ce qui est bon pour moi? J'ai d'ailleurs dit à plusieurs reprises que l'esprit était le grand chef d'orchestre de notre vie et c'est lui qui est derrière chaque événement que nous vivons. Il peut donc paraître illogique de se révolter contre lui, mais nous allons voir qu'au contraire, c'est très intelligent de le faire. En effet, l'esprit n'attend que ça de notre part, car le fait de diriger notre colère vers lui l'oblige non seulement à nous répondre, mais cela crée également notre double éthérique. Pour ceux qui n'ont jamais entendu ce terme, sachez que notre double est un de nos corps subtils. Il se construit et s'énergise dès lors que nous sommes en mesure d'absorber la lumière de notre esprit. Encore une fois, je vais avoir recours à un schéma pour simplifier mon explication. Ce schéma n'est pas complet, mais mon intention est d'apporter votre attention sur le double éthérique. Comme je l'ai mentionné, il se crée dès lors que nous sommes en mesure de supporter l'énergie de notre esprit, et je vous rappelle que ce dernier est comparable à un feu. Alors comment accomplissons-nous ce tour de force? En cessant de blâmer les autres et les événements que nous vivons, et en établissant le rapport de force avec notre esprit. Par exemple, si vous avez des douleurs au dos, vous êtes en droit de demander à votre esprit pourquoi vous souffrez et ce que vous devez faire pour apaiser vos douleurs. En le forçant à vous fournir des réponses et en projetant votre colère vers lui, il se crée comme une boucle de rétroaction, permettant à l'énergie de revenir vers vous. D'ailleurs, le symbole de l'infini représente bien le processus qui est à l'œuvre. À ce stade, il est intéressant de savoir que lorsque notre double est créé, notre conscience devient immortelle, c'est-à-dire que nous ne retournons plus dans le plan astral lors de notre décorporation.
C'est donc en construisant ce nouveau véhicule de lumière que nous mettons fin à l'incessant trou des réincarnations et que nous pouvons poursuivre notre évolution sur d'autres plans de conscience. À l'inverse, si nous ne l'avons pas créé lors de notre incarnation, nous retournerons automatiquement en astral lors de notre décès. J'en profite pour faire le lien avec ce qui est dit dans les milieux spirituels au sujet du processus d'ascension. Dans mes livres et vidéos, j'en ai d'ailleurs beaucoup parlé, car je pressentais que l'être humain était à l'aube de vivre quelque chose d'extraordinaire. Comme nous sommes parvenus à la fin d'un cycle, plusieurs possibilités d'évolution s'offrent à nous, mais jusqu'à tout récemment, je n'avais pas accès à l'information que je suis en train de vous transmettre. Mon intuition me murmurait que j'allais pouvoir quitter la 3D, mais il me manquait certains éléments de compréhension. Bien sûr, la compréhension n'est pas une nécessité. Nous n'en avons pas besoin pour que notre double se construise, mais une part de moi aime bien savoir comment les choses se passent. D'ailleurs, le fait de comprendre comment mon double se construit m'aide à établir mon rapport de force. Lorsqu'une situation survient dans mon quotidien et que j'ai besoin d'être éclairée, je communique aussitôt avec mon esprit et j'exige de recevoir des réponses. Mais je tiens à préciser que nous n'obtenons pas toujours de réponses claires. Parfois, c'est même le silence radio, et d'après mon expérience, il y a trois raisons derrière cela. Raison numéro 1. Lorsque je n'obtiens pas de réponse, je dois être encore plus confrontationnel. Par le passé, j'ai eu tendance à me positionner en victime, alors mon esprit retient l'information pour que je cesse de subir la vie. Raison numéro 2. Il arrive aussi qu'ils ne me répondent pas, car je ne suis pas encore en mesure de supporter l'information. Je comprends que je dois vivre d'autres expériences qui vont progressivement élever mon taux vibratoire et me préparer à recevoir la réponse. Raison numéro 3. Finalement, il peut rester silencieux parce que mon double n'est pas assez construit. Comme ce processus est assez nouveau pour moi, je sais que j'ai encore bien du travail qui m'attend. Mais la bonne nouvelle, c'est que j'ai les clés désormais, alors je laisse le processus suivre son cours. Revenons-en à la colère. À la lumière de ce que je viens de vous partager, vous devriez être en mesure de poser un regard différent sur cette émotion. Contrairement à la croyance populaire, elle n'est nullement nocive et lorsqu'elle est projetée verticalement, vers notre esprit, elle nous permet d'élever notre taux vibratoire. Plus ce dernier s'élève, plus nous sommes en mesure d'absorber notre propre lumière, qui provient de la source originelle. De façon imagée, l'ego est un récipient, mais pour être capable d'accueillir l'intégralité de l'énergie de la source, il doit mettre fin à toute forme mensongère qui pollue notre conscience. Ces formes mensongères sont liées, en grande partie, aux pensées qui ne proviennent pas de nous. Lorsque nous croyons ou nous identifions à ces pensées, nous les alimentons en énergie, renforçant ainsi l'illusion. En d'autres termes, cela nous empêche d'accéder au réel et nous demeurons prisonniers de la forme. En revanche, il est important de mentionner que plus nous dialoguons avec notre esprit et créons notre double, plus notre âme crée de nouvelles formes reflétant notre nouvelle vibration. C'est d'ailleurs pour cette raison que je continue d'écrire des livres et de créer des vidéos. Même si j'ai conscience que tout cela fait partie du monde de la forme, cela permet à mon âme de manifester des créations de plus en plus belles et lumineuses. Avant de clore cette section et cette vidéo, je tenais à vous dire une dernière chose concernant la colère. Si vous vous sentez comme une grenade sur le point d'exploser, sachez que c'est une excellente nouvelle. Vous savez désormais que vous pouvez vous servir de cette masse d'énergie comme accélérateur évolutionnaire. Voilà une information que j'aurais aimé détenir lorsque j'ai commencé à cheminer sur la voie spirituelle. Cela m'aurait permis de voir la colère comme une alliée, au lieu de la percevoir comme une ennemie ou comme quelque chose que je devais dompter. Mais bon, ce n'est pas étonnant que j'ai entretenu cette vision pendant des années. Comme les forces involutives sont rusées, elles font tout pour distordre la vérité. En effet, elles nous ont fait croire que la colère était une émotion négative, alors que c'est une des plus grandes forces qui habitent l'être humain, pour peu qu'on utilise la puissance de cette énergie non pas vers autrui, mais pour grandir en contenance et en lumière.